Ouais, ok. Salut, salut à tous les éléments de la Broboli Family. Salut à tous les Chinois de partout. Salut à toutes les Chinoises. Partagez la vidéo. Voilà. Mais aujourd'hui, là, il est cassé par peau. Il est cassé par peau. C'est que vous ne voulez pas entendre là. Et puis vous commentez dans mes vidéos que je suis un poli, que quoi. Vos mecs qu'on vous tous. La dernière vous tous, vous les fanatiques de maman de Tina Glamour, vous n'avez pas vu la vidéo que Tina Glamour a fait sortir ici, que nous on a publié sur nos chaînes ici, sur nos pages. On vous a montré que cette mère là, elle n'est pas digne d'être la mère de Didier Arafat. D'autres vont commencer à faire vidéo que quoi. Moi aussi un poli. Vos mecs con. La personne qui est trop fâchée là. Il rentre dans mon PV, mon WhatsApp là, c'est associé à cette page là. Je suis le bourreau, il n'y a pas peur de quelqu'un. Mais si tu as zaï à moi, si tu as zaï, vous pensez qu'il a fait des fanatiques, qu'il a fait des Didier Arafat là, ça se termine ça, à présent là. On laisse à une mère bordel comme ça, dit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on l'a laissé, on vient la mettre au pas, vous êtes venu piailler, que quoi, il y a plein qui a venu, envoyez plein d'envois. Vos mères con, moi je suis le beau, hein. Y a pas peur de quelqu'un. Mais si tu m'attaques là, faut être prêt. Oui, faut être prêt. Par exemple, moi c'est le gagamou, le cassette des papos. Je suis le nivakin qui a vous fait peur. Je suis l'homme qui tremble, qui fait trembler le monde. Il fait trembler la terre, il fait trembler les réseaux sociaux. Partagez la vidéo. Il a répondu à une vieille salope qui fume en direct. Toi tu es vieille. Tu es parti en bing, tu es en bing là-bas, là, au lieu de rester tranquille, tu as t'occuper de tes petits-enfants. C'est dans l'affaire de Didier Arafat qui est venu. Voici les vieilles où Didier Arafat chantait, maintenant faisait le concert là. Et puis elle se mettait en panne pour partir danser. Ça, ce sont les vieilles comme ça. Vos mères con, moi je vous dis ça. Tous les fanatiques de Tina Glamour, vos mères con, vous êtes trop fâchés là. Moi je vois vos plaintes là. Moi je vois vos plaintes, moi je vois vos plaintes là. Partagez la vidéo, ça a fait les 101 millions, les 1 million de vues. Moi, il voit ça, il voit les plaintes qui ont sorti. Que quoi, il n'y a pas quelqu'un qui a le point pour l'envoyer en prison. Venez vous de me prendre. Venez vous de me prendre. Vous ne savez pas qui je suis. Hein? Vous ne savez pas qui je suis. Donc, là, calmez-vous. Va mettre con, moi, je vous dis ça. Il a fait jouer la vidéo. Chap, partagez la vidéo et identifiez. Voilà. Et il a montré une vieille là. Je ne sais pas, elle est où? Elle est vieille comme ça, une vieille sorcière, une vieille pourrie bête dans sa tête. Je vais vous montrer son visage un peu. Voilà, je vais vous montrer son visage un peu. Hein? Je vous montre son visage. Toi là, y a tes mots pas. C'est moi mon ministre, toi tu veux attaquer. C'est moi mon ministre, moi toi tu veux attaquer. Toi tu es maudit dans ta tête. Toi tu es malade dans ta tête. Vous êtes les vieilles, quand vous ne voulez pas vous faire respecter là. Et puis on vient vous insulter sur la toile là, c'est pour dire qu'on est impoli. Mais ce que vous faites là, on voit pas. Hein? Ce que vous faites là, on voit pas. Mais quand vous insultez sur la toile là, les bâtards là vont venir dire qu'on est poli. On est qu'on est poli. Non, on vous dit la vérité. Vos mères con. Partagez la vidéo là. Regardez cette vieille sorcière là. Voilà. Il a dit, toi tu dis quoi? Que nous, la mère con, nous qui avons insulté la mère de Didier Arafat. Il a dit, hein, la mère de Didier Arafat, hein, si tu ne sais pas, il a fait sortir. Si tu n'as pas vu, hein. Il a te fait jouer une vidéo ici. Toi-même là, toi-même, tu as écouté. Tu as dit, ouais, la mère là, elle n'est pas digne d'être mère. Quelqu'un qui maudit le jour où elle a eu mal au ventre pour Didier Arafat. Quelqu'un qui maudit ce jour-là. Tu as venu nous dire ici que. Toi, tu as venu nous donner quel conseil. Tu as fait une vidéo et puis tu fumais ta sale gueule, ta bouche qui sent une vieille bizarre, grosse bête dans ta tête. Une vieille insensée comme ça, à son âge, elle fait teinture. À son âge, elle prend une cigarette pour fumer devant la Chine, devant les fanatiques de Didier Arafat. Tu montres quel exemple. Nous, depuis, on fait vidéo. Tu as déjà vu, on fait vite. Partagez la vidéo là. Moi, je veux les 100 vues. Allez là. Il y a les 100 vues. Je veux voir clair dans les affaires de plainte. Là. Moi, je veux, vous parlez trop. Vous piaillez trop. Vous piaillez. Nous, on fait vidéo toujours. Et puis, on ne voit pas Kepa. Vous piaillez que vous allez vous envoyer Kepa. Et puis, on ne voit pas. Aïe! C'est quelle bande de bordellerie ça là. Regarde, il a te fait écouter une vidéo, sale vieille sorcière. C'est dans l'affaire de Didier Arafat qui est rentré. C'est dans l'affaire de gens qui est trop fanatique de Maman Tina Glamour. Toi, ton Maman Tina Glamour, va dagner, c'est moi qui dis ça. Va dagner, va se.
C'est le bois qui a dit ça. C'est le bois. Il a te fait écouter une vidéo. Hein. Il a te fait écouter une vidéo. Comme peut-être toi, tu n'as pas mis quelqu'un au monde. Je vais te faire. Même toi-même, là, ta mère ne peut pas te faire sortir ce genre de vidéo. Là. Même toi, mais ta mère ne peut pas faire sortir ce genre de vidéo. Mais Tina Glamour, elle a fait vidéo pour dire ça. Fais passer le message. Fais passer le message. On écoute. Un menteur, un manipuleur. Un manipuleur. Hein? Hein? Il y a un secret pour le monde. Je vais faire sortir ça. Tu as fait sortir ce secret. On voit ça. Il ne va pas me tuer. Il ne va pas me tuer. Il ne pourra pas me tuer. Il ne pourra pas me tuer. Il n'a qu'à aller redresser les yeux de son enfant. Il n'a qu'à aller ta mère con. Toi et puis ton Tina Glamour. Vos mères con. Vos dingueries. C'est le bois qui a dit ça. Plaît à moi et vois ça. Il n'a qu'à aller redresser les yeux de sa petite fille. De sa petite qu'il a fait Kamel Sama. Et puis c'est normal. Nous on est venu parler de ça, vous avez dit qu'on est impoli. Nous on est venu parler de ça, vous avez dit qu'on est impoli. Nous on est venu parler de ça, vous avez dit qu'on est impoli. C'est les vrais Chinois qui doivent dire les bois à Tina Glamour. C'est qu'ils pensent qu'elle est trop zinzin dans sa tête là. Et puis ces fanatiques vont venir se. Vous savez pas où moi je suis quitté. Hein? Vous savez pas où moi je suis. Moi je suis le bourreur. Les plaisantins qui font les vidéos sur les réseaux sociaux, les abounos, quoi. Moi, je suis l'élément qui leur fait peur. Moi, je suis l'élément qui leur fait peur tous. Voilà. Le seul que moi encourage, le seul qui est le vrai Chinois, il s'appelle Momo. Elles sont gang, mon Broboli famille. C'est lui le ministre. À part lui là, il n'y a personne. Les plaisantins, quoi, une vieille sorcière, une vieille bête. Tu as venu te. Écoute. Exposer le pauvre bébé sur YouTube. De Capier, regardez sa fille, elle louche. Elle louche. Capier, regardez. Sa fille louche. Colorée qui soit. Colorée qui soit. Maudit. Elle a dit quoi? Elle dit Didier Arafat est maudit. Colorée qui soit. Elle dit maudit qui soit. Partagez la vidéo, la montée le mercure. C'est gâté. Elle dit maudit qui soit. Ou bien vous ne comprenez pas français, quoi. Vous ne comprenez pas français. Elle dit maudit qui soit. Elle a maudit son fils. À cause de quoi? À cause de l'argent. Elle est malade dans sa tête. On fait vidéo, on parlait de ça. Vous êtes venu dire que nous, on est poli. Vos mecs, vos dingueries. Vos dingueries. C'est Boy qui a dit ça. Vos dingueries. La famille suprême Gawa. Ça l'a surpris. Ça l'a surpris. L'argent, c'est pour lui. C'est pour lui, Tina. Connerie qui soit. Connerie qui soit. Le jour, j'ai eu mal au ventre pour lui, je l'ai accouché sur la joue. Nous, maudit ce jour-là, elle a dit quoi? Vos mères con! Vos gagnerez! Le jour, elle a eu mal au ventre pour Didier Arafat, elle maudit ce jour-là. Ce jour, elle était décalée qu'elle disait ça ou bien. On parlait de ça, vous êtes venu, vous dites que nous, on est impoli. Nous, on est impoli. Quelqu'un qui a eu mal au ventre, elle est enceinte, elle dit le jour, elle a eu mal au ventre de Didier Arafat là. Elle a maudit ce jour-là. Elle est maudite. Si c'est pas sorcier qui peut réagir comme ça, c'est qui encore? Si c'est pas sorcier qui peut réagir comme ça, c'est qui? Si c'est pas une sorcière qui peut réagir comme ça, c'est qui? C'est dit celle-là, si elle est au village, il y a longtemps, elle a fait le pouvoir de sorcellerie. Il y a longtemps, elle allait manger Didier Arafat. Elle allait le manger. Qu'est-ce qu'il prouve, mais que c'est pas elle qui l'a là au sorcier? Qu'est-ce qu'il prouve? On venait parler de ça, les fanatiques de trucs. Une vieille bizarre bête, hein, que quoi. Il n'y a pas dit ton nom ici pour te donner visibilité. Il y a même. Ce jour-là. Et puis elle dit de faire passer. Tellement elle est consciente. Cette mère, elle est vraiment consciente. Elle maudit le jour qu'elle a eu le mal de ventre pour Didier Arafat. Et puis elle dit bien dans la vidéo, faites passer la vidéo. On réagit comme ça. On réagit si ta maman n'est pas sorcière. Là. Si ta maman n'est pas sorcière, que ta maman peut prononcer ce genre de propos. Si ta maman n'est pas sorcière, que ta mère peut te maudire à ce point-là. Mais si ta maman est fâchée contre nous tous, notre maman a été fâchée contre nous une seule fois dans notre vie. Nous tous. Mais notre mère ne nous a jamais maudit. Notre mère ne nous a jamais maudit. On parlait de ça. Vous devez venir dire qu'elle est impolie. Vous devez dire que non, mais con. Vous devez gagner. Bizarre de vieille. Excusez-moi, je vais remettre une vidéo encore. Je vais mettre une vidéo. Il y a l'impression que quelqu'un publie sur ma page. Là. Hein? Vous ne voyez pas. Il y a une vidéo où Didier Arafat
Je vais vous mettre une vidéo. Partagez, montez le mercure. Partagez la vidéo là dans tous les groupes. Il y a des moyens vilaines, vieilles comme ça. Toi, tu as venu dire que ceux qui ont fait vidéo contre Tina Glamour, les mères cons. Ta grande mère. Ta grande mère à débattre. Il y a des dans le point, la vieille. Je ne sais pas si toi tu es camerounaise ou quoi, 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 quoi. Mais apparemment, tu ne connais pas la sale bouche des Ivoiriens. Voilà. Il y a des moitiés, il y a des données palus d'un juge. Voilà. Ton vilain vagin de. C'est l'eau blanc qui sort dedans. Et ta forme bizarre, dirait ton boxé de partout là. Ton dernier matin, midi, soir. Ta sale page de merde où tu as 1000 abonnés, tu as venu faire vidéo aussi parce que Tina Glamour t'a reposté. Toi, tu as venu faire vidéo, il y a de son visage. Il y a des visages de l'homme. Regardez visage de l'homme. Toi, tu as venu faire vidéo, une sale vieille comme ça. Une sale vieille, tu mets teinture jaune sur ta tête. À ton âge là, tu fumes en faisant vidéo. Regardez, écoutez. Regardez. Ça c'est quelqu'un qui est conscient. Une mère, grande mère de quelqu'un. Regardez, hein. Elle attrape cigarette, elle tire ça comme ça. Une vagabonde comme ça. Faut chercher à soigner les bêtes qui sortent de ton vilain trou là. Faut chercher à soigner les blancs trucs, les trucs blancs qui sortent de ton vilain trou là. Faut chercher à soigner ça. Tu as venu t'adresser à Momo. T'es maudit dans ta tête. Toi qui es maudit, que nous on a fait vidéo pour Tina Glamour, pour l'insulter, pour la mettre à sa place. Elle s'est pas calmée. Elle s'est pas calmée. Elle s'est calmée ou pas? Elle s'est calmée ou pas? Elle s'est calmée. Et c'est sans vœu. Et c'est sans vœu. Tes bêtes, ton l'eau blanc qui coule en bas de ton vagin, qui sort de ton anus là. Faut pas aller chercher à te soigner un patate de grande mère de quelqu'un. Toi, tu as venu nous insulter parce que tu n'as pas voulu t'as reposté. Inconsciente. Si son direct. Toi tu es qui? Elle va finir par comprendre. Et vous allez en soumbelele. En soumbelele. Dans son pour ceux qui ont. Eh, hey, y'a t'apprends à parler nouchi. Y'a t'apprends à parler nouchi. Comme tu sais pas nettoyer tes bêtes. C'est que l'eau blanche qui sont en bas de ton trou que tu appelles nienet bro. Y'a t'apprends à parler nouchi. Vieille bizarre. Tu dis que toi t'as porté plainte contre nous. Toi tu peux porter plainte contre nous. Toi, tu peux porter plainte contre quelqu'un à Paris ici. Vieille bizarre. Et puis, depuis quand même les vieux, mais ils font direct même. Depuis quand les vieux, si c'est pas don, je sais pas quoi là. C'est une vieille bête comme ça. Toi, ta jeunesse là, tu sais plus ce qui t'a fait à ta jeunesse. Hein. Ta jeunesse a été ratée. C'est sur les réseaux sociaux maintenant tu viens. Réseaux sociaux, on voit même pas encore ce que tu fais aussi. 1000 abonnés, t'as venu parler de l'homme. Nous, on fait sortir vidéo. Premier jour de vidéo, ça frappe. 5-4 000. C'est ça, dit youtubeur. C'est ça, dit vidéoman. C'est ça, dit quelqu'un qui a la chat. C'est pas pour venir parler. C'est vous, les inconscients, là, qui venez dire que nous, on est impolis. Sinon, les personnes, même, qui se sont mis dans la peau de Didier Arafat, ils vont jamais dire que nous, on est impolis. Ils vont dire que, ouais, vous avez bien parlé à la dame. Et puis, c'est ça. Vous pensez que quoi? Que nous, on est d'accord d'insulter Tina Glamour? Nous, on n'est pas d'accord. Avant de faire ma vidéo là, il y a eu plein d'avertissements qu'il a lancé sur Tina Glamour. Il a dit, mais, pardon, faut te calmer. Mais elle n'a pas entendu, c'est parti là. C'est parti. On dit, quand tu t'assois sur le même tabouret avec un petit de 16 ans, le petit là, un jour, il va te manquer de respect. C'est ça qui est là. C'est arrivé maintenant, vous parlez de quoi? Une vieille délabrée comme ça, vilaine que tu sois de ton état, Tchatcholi va te tuer. C'est les Béninois qui t'ont loupé. Savant Béninois t'a loupé. Ça va te tuer. T'as venu te mettre sur la toile un cigarette. Inconsciente de ton état. Bâtard. Ou alors. Prostituée que tu sois. Pour ceux qui ont le numéro de téléphone, vous l'appelez. Vous lui laissez un message. Attendez, il va vous montrer la partie où elle attrape cigarette. Et puis elle fume. Regardez une vieille bizarre, regardez comme elle est vilaine. Regardez comme elle est vilaine. Son visage, son modèle. Son modèle aussi pâle. Son modèle aussi pâle. On fait vidéo, son modèle aussi va faire vidéo. Faut pas chercher à. Toi, mais toi, on sait, tu n'as pas de futur. C'est Asie politique qui a te tuer en Belgique ici.
Tu n'as pas de futur. Ta jeunesse, c'est plus. Tu es allé te concrétiser dans ta. Et puis, c'est l'équipe de concrétisation même qui est en train de faire les bêtises comme ça. Si vous voyez les fanatiques de Tina Glamour, là, c'est les anciennes retraitées de la prostitution. C'est elles qui viennent maintenant nous insulter. C'est ça. C'est là, elles ressemblent à une pétasse de truc de la rue Princesse. Ce sont les pétasses de la rue Princesse là. C'est elles qui sont là là. Les gosses de la rue Princesse là, c'est elles qui sont là là. On fait vidéo pour dire la vérité à Tina Glamour. Toi aussi tu es venu mettre ta sale gueule. Langue qui est versée dans tout ce que tu appelles bouche là. Ça revient à sa maman. Et puis il y a son papato qui parle. Arafat, c'est pas Maya la fille. Les biens d'Arafat, ça revient à sa maman. Toi, tu es malade dans ta tête. Donc les enfants qu'Arafat a laissés là, les biens là, ça revient pas à eux. C'est vous là qui avez dit à maman Tina, elle a qu'à aller prendre les voitures là. Aujourd'hui, elle a pris les voitures là. Elle court toujours derrière. Petite fortune de la petite fille, de la petite Kabe Sama. Elle court pas derrière. La petite a fait sortir voiture de 17 millions, je ne sais pas combien. Elle est en train d'être folle. Elle veut s'affoler. Et puis maintenant, elle va partir faire déposer, je ne sais pas quoi. Que pardon à la Chine. Ton pardon là, j'espère que ça a duré pour longtemps. Hein. Mais si tu as fait vidéo encore pour dérailler sur la toile, nous on te met sur le pas. Va maudire à vous tous, tous les fanatiques de Tina Glamour. C'est moi qui dis ça. Tu es trop fâché là. Je suis là. Mon père vient là, tu rentres dedans. On se donne rendez-vous. Porcelli va sortir. C'est quel comportement d'être mal élevé? Ça, ils sont mal élevés. Toi-même, tu es mal élevé. Ta maman est mal élevée. Ton grand-père est mal élevé. Tu en prie. Ta maman est mal élevée. Ton grand-père est mal élevé. Toute ta famille est mal élevée. Ton maudit pétasse que tu sois de ton état. Tu as fini de sucer tôle. C'est sur la toile maintenant que tu es venu. Il y a sa large bouche. Qui était. C'est toi, tu as eu le prix de suceur de tôle. Suceur de tôle, vous avez sucé les tôles, mais là, vous êtes parti suivre Lolo Beauté. Hein. Venez vous afficher sur les réseaux sociaux ici. Lolo Beauté a mis les pommades pour vous, pour rétrécir votre bouche. Après, vous êtes trop sucé. C'est trop élagé. Toi-même, ta langue là, on ne peut plus. Ça pèse même 17 kilos. Tellement les jus blancs ont versé même dans ta langue. Tu as trop avalé ça. Allez, tu es obèse. Diamètre, tu es grosse là. C'est comme ça, les trucs là sont rentrés dans ton corps. Tu as vu, tu mets sur la toile. Oui! Regardez. Enfant, grande mère de quelqu'un. Elle attrape, regardez. Et puis elle suce. Regardez. Regardez. Grande mère de quelqu'un, regardez. Toi aussi, tu as donné conseil aux gens. Faut fumer, fume. Grande mère de quelqu'un, elle fume ça. Grande mère de quelqu'un, elle fait vidéo. C'est normal? Si ce n'est pas les anciens pétasses qui peuvent faire les trucs comme ça. Si ce n'est pas les anciens pétasses de la rue Princesse là, qui peuvent faire les trucs comme ça. Et toutes les fanatiques de Tina Glamour là, ce sont les pétasses. Eux tous. Si ce n'est pas eux là, il n'y a personne qui peut faire. Toi qui fais vidéo, même nous-mêmes on fait vidéo depuis longtemps là. On n'a jamais attrapé cigarette pour fumer. Mais on a ça. On a vape. Voilà. On a ça. On n'a jamais fait ça. Juste pour respecter les personnes qui nous suivent. On n'a jamais fait ça. Si ce n'est pas pétasse, qui va faire ça là? Qui va faire? Va faire ton boulot, laisse les Chinois en paix. Ta sale chaîne là, moi, il y a gamin les Chinois, ils vont aller signaler ça. Vieille bâtard que tu sois. Pétasse retraitée de ton état. Maudite que tu sois. Ton dernier, moi, je te dis ça encore. C'est le bourreur. Ton dernier. Voilà, toi au Tinao, vos dernières, c'est moi qui dis ça. C'est le bois, tu veux pas, tu prends. Tu es trop fâché, tu mets le code sur ta tête et puis tu te bats. Tu peux rien me faire, rien. C'est diesel. Excusez-moi, les gars, excusez-moi, tous ceux qui me regardent, mais le nouveau, ça m'a pris là. Je devais me mettre en costume. Voilà. Pour que les gens sachent d'où moi je viens. Voilà. Vous ne savez pas quelqu'un va quitter là-bas, il va venir faire vidéo. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas son passé. Quelqu'un est parti porter plainte. On voit. Depuis vous piaillez. Il n'y a pas quelqu'un qui va le prendre pour le jeter en prison. On jette comme ça les gens en prison. Si c'est vous là-bas en Afrique là.
Quand vous faites vidéo sur la toile, on vous met en prison comme les pintades, les chiens, les n'importe quoi là. C'est pas ici en Europe là. En Europe, c'est le droit de l'homme. Vous comprenez? En Europe, c'est le droit de l'homme. Vous comprenez? Si vous êtes politicien là, quand vous faites vidéo, on vous jette comme les fourmis, les moutons à la maca là. C'est pas ici. Ici là, c'est la liberté d'expression. D'expression. Autant pour moi. Voilà. T'as parti porter plainte. Toi, tu peux porter plainte contre le bois. Toi, tu peux porter plainte contre le bois. Il faut te renseigner. Tu sais pourquoi on m'appelle bois? Mets ton moron à Bounovo, à Bouno, je sais pas quoi là. Il a peur de moi. Il a peur de moi, il connaît. Il a peur de moi. Toi, tu sais pourquoi on m'appelle le bois? Tu sais pourquoi on m'appelle le bois? Je me suis mis en costume. Prochainement, il y a même un. C'est maudit. Donc partagez la vidéo. Je ne peux pas vous dire le nom de cette pétasse là. Mais elle va voir ma vidéo. Voilà, paye sa chaîne même là. C'est les bêtises elle met là-dessus. C'est qu'on ne sait pas de quoi elle parle. Partagez la vidéo. Moi j'ai insulté maman Tina. Je sais pourquoi elle a insulté. Voilà, je ne l'ai pas insulté parce que jamais j'insulte ma mère. Jamais. Et c'est de cette même manière que ma mère ne peut jamais me maudire. Même si ma mère est fâchée comment, elle ne peut jamais dire à une chaîne de télé de partager une vidéo où elle est maudite le jour où elle a eu mal de ventre de ma grossesse. Ma mère ne peut jamais faire ça. Tina Glamour a fait ça. Et vous voulez qu'on la laisse. Vous voulez qu'on la regarde. Combien de fois on a prévenu Tina Glamour d'arrêter les directs qu'elle fait. D'arrêter de s'exposer. Même son fils. Je vais vous faire jouer la vidéo, vous allez voir. Mais il y a l'impression que quand je partage sur ma chaîne, là, vous ne voyez pas trop. Même son fils, de son vivant, il a fait vidéo pour dire que trop, c'est trop. Et il a dit ici que c'est bien, là. C'est bien, c'est pour lui. Mais là, il va mourir maintenant. On voit maintenant Tina Glamour et sa bande de pétasses venir faire la vidéo. Pourquoi nous, on insulte Tina Glamour? Écoutez ça. Oui, aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, c'est mon gars qui parle. C'est Yoro qui parle. Qui a souffert. Un enfant qui s'est fabriqué seul, qui s'est débrouillé. Où t'étais quand je dormais dans les toilettes? Où t'étais quand je crachais, je lavais les toilettes des PC et des bars? Où tu étais, Tina? À Nyongo. Au casino bar. Tu faisais ta vie. Oui. Tu faisais tes spectacles. Tu prenais tes cachets. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas chanteur. Je me cherchais. Je t'ai dit, t'étais où? T'étais où, Tina? T'étais nulle part, Lobo Valentine. Nulle part. Je me suis lâché comme mon père s'est jamais occupé de moi aussi. Jusqu'à ce que... Partagez la vidéo, là. Demain. Aujourd'hui. Donc, mon argent... C'est son argent. C'est à moi. Je me suis débrouillé seul pour l'avoir. Lui seul. Je prends mes voitures, je les passe, je fais ce que je veux. C'est mon argent. C'est à personne, mon argent. Oui. Mon argent, je vais prendre mon argent pour faire... On parle de ça, vous êtes venu piailler sur les réseaux sociaux. Nous, on s'exprime comme DJ Arafat. Vous pensez que si DJ Arafat était vivant, là, sa mère pouvait se comporter comme ça? D'autres vont dire que si DJ Arafat était vivant, vous, les fanatiques, vous ne pouvez pas insulter sa maman comme ça. DJ Arafat était vivant, là, on a insulté sa maman. On a insulté sa maman quand elle déraillait. Et puis qu'elle était vivante, même, elle faisait que quoi? Elle va sortir que quoi? Elle a insulté sa maman qui a déraillé. Dit Arafat était vivant. Si c'est maintenant vous venez de rentrer dans l'affaire de Yorogang là. Il y a vidéo, c'est sur YouTube. Tu les appelles parce que aujourd'hui. Tellement que le petit est troublé. Sur podium de concert. Sur podium de concert, il est obligé. Il est obligé d'exprimer. Écoutez comment ça fait mal. Tellement il est troublé. Écoutez un peu. Sentez l'émotion du petit. Tellement il est troublé. Quelqu'un qui va Mougou Djandjou à l'âge de 10 ans. Écoutez. J'étais tout petit. Quand j'ai commencé à la musique. J'ai commencé tout petit. Il a commencé tout petit. Voilà. Tellement c'est là dans son cœur. Tellement ça lui fait mal. Tellement ça lui fait mal. Sur podium, il entend faire conseil et puis il stoppe tout.
Il explique sa vie. Il n'a pas été, il n'a même pas eu le soutien de ses parents. Ses parents étaient indignes. On parle de ça devant venir dire qu'on est impoli. Vos mères cons, vos maudits, vos damnés. Partagez la vidéo là, partagez. On doit monter. Quand il a fini vidéo là, je veux au moins voir 200 partages. Quand il a fini là, il sait que non. Il sait que mon message est passé. Il sait que mon message est passé. Ouais, je suis fier. Maintenant, j'attends maintenant les plaintes. Quand vous partagez comme ça là, ceux qui veulent faire les plaintes là, et au moins ils ont les preuves pour prendre les vidéos là pour dire que ah, oh Dieu, porte plainte. Voici une vidéo qu'il a fait. Donc partagez. Quand vous partagez comme ça, au moins ils voient la vidéo, ils vont prendre, ils vont envoyer ça où ils veulent. Donc partagez, là comme ça, on voit dans plein plat. Demain, venez faire vidéo pour vous montrer que c'est là. Partagez dans tous les groupes. Écoutez. Écoutez. Vous pensez que DJ Arafat est content. Tous les jours, mon papa me frappait. Parce qu'il touchait aux instruments de la musique. Lui, il n'a jamais compris pourquoi son papa le frappait. Un jour, il l'a frappé. Son papa l'a frappé. Donc, il a décidé. Tu es ta famille. Tu vis avec ton papa. Tu vis avec ta maman. Et puis, dans ta propre maison, avec tes propres parents. Et puis, tu ne te sens pas ému. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tes parents t'ont vraiment aimé? Là est la question. On va venir parler de ça. Les vieilles pétasses vont venir se mettre sur les réseaux sociaux et cigarettes dans la gueule pour parler de Momo, pour parler de nous. Partagez la vidéo là. Il a décidé d'arrêter. Avec John Pololo. Nous tous, on connaît John Pololo ici. Il a dit partager la vidéo. On doit monter au moins jusqu'à 100 personnes. Tant qu'on ne me parle qu'à 100 personnes, il n'arrête pas de parler. Vous voyez le costume là, non? C'est un costume de bataille. Voilà. C'est un costume de guerre. Vous ne connaissez pas mon passé. Hein? Vous ne connaissez pas mon passé. C'est un ancien sniper qui a arrêté devant vous là. Vous ne connaissez pas mon passé. Hein? Vous ne connaissez pas mon passé. Calmez-vous. Que vous les plaintes. Moi, je vois clair dans vos plaintes là. On écoute l'histoire de DJ Arafat. Excusez-moi de partager, excusez-moi. Regardez. Excusez-moi, ici là, vous connaissez ça en bingo. On ne crie pas trop ici. Voilà. Mais je suis trop énervé. Écoutez. Tout le monde savait que sa maman était pétasse. On dit voici l'enfant de la pétasse qui est là-bas. Vous là, vous êtes maudit dans vos têtes. C'est comment même? On vous parle en quelle langue? Genre, on vous parle en noussi, on vous parle en bété, on vous parle en guéré, on vous parle en djoula. Vous êtes maudit. Vous êtes maudit. C'est quel enfant parmi vous là? C'est quel enfant qui a accepté ça? C'est quel enfant qui a continué toujours d'aller à l'école? C'est quel enfant qui a accepté que partout où il passe, on dit que voici l'enfant de la pétasse là-bas, voici l'enfant de la pétasse. Vous êtes maudit. Ça a traumatisé le gars. Plus sa mère ne s'est pas arrêtée là, elle a décidé maintenant de nuire sa carrière, de le tuer. Aujourd'hui maintenant, le gars a déjà, elle lutte. Tout sa sueur, la sueur du pauvre petit, elle lutte les biens avec la fille que le gars a dotée. On parlait de ça. Vous allez venir dire que nous on est impoli.
Nous, on est impoli. Donc, là, les mamans de la famille de Kamel, là, si eux, ils se lèvent pour faire vidéo contre Tina, vous allez dire quoi maintenant? Pour dire que Tina Gamou n'a Daniel, vous allez dire quoi? Qu'ils sont impolis? La petite que vous parlez d'elle, la petite Rafna, les vidéos de Tina Glamour où elle a insulté Rafna, où elle a traité Rafna de loucheuse ou je ne sais pas quoi là. Si la petite a grandi, Rafna parle maintenant, elle parle. Je vais poster une vidéo où elle parle. Peut-être vous ne savez pas. La petite là, demain, elle va voir ce genre de vidéos. C'est un traumatisme qu'elle aura. La petite là, elle va haïr sa grand-mère. Si vous ne savez pas ça, elle va détester sa grand-mère dans le futur. Parce que tout ce qu'on fait là, dans les vidéos là, ce sont des archives. Ça ne se supprime pas. Toi, tu as dit ici, ils n'ont qu'à publier que Rafna est louche. Elle est louche. Demain, elle va grandir. Elle va avoir 10 ans, 15 ans. Elle va avoir 17 ans. Elle va regarder ta vidéo. Elle va s'asseoir. Le jour où tu as venu dire, hé, ma petite fille, elle va te gifler. Elle va mettre là. Toi, mais ça va t'étonner. Gifler, elle va mettre là. Quand vos petits-enfants, maintenant, vous traitent de sorcières, quand vous êtes vieux, vous dites que non, ils sont impolis. Vous dites que non, c'est parce qu'ils sont béguis. Mais c'est la vérité. Si toi, ta petite fille, tu peux la traiter de qu'elle est louche, elle est vilaine sur les réseaux sociaux et tu demandes aux personnes de partager ça. Demain, là, elle va voir cette vidéo-là. Comment elle va se sentir? Qu'elle va faire vidéo aussi pour venir t'insulter ta dernière. Tes fanatiques vont venir sortir. Elle est la forme de vache, ils vont sortir, ils vont dire que non. Elle est polie. Juste parce qu'on a dit la vérité. La vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Casser les papos, ça rougit les yeux, mais ça casse pas. Ça casse pas. Ce qui est ça, on dit, c'est ça. Parce que c'est nous les fanatiques de DJ Arafat. C'est nous, on a fait DJ Arafat. C'est nous, on a payé les œuvres de DJ Arafat. C'est nous, on a payé ses CD. C'est pas toi, sa mère, là. Sa sale mère. C'est pas toi qui as fait quelque chose pour Daichi. Tu n'es pas président de quelque chose ici. Tu n'es rien, tu n'as glamour. À ton temps là, tu pouvais créer comment on appelle, fanatique des pocletuseurs. Tu pouvais créer ça, non? Des pétasses de Côte d'Ivoire. Tu pouvais créer la pétasse gang à ton temps. Tu pouvais créer la Tina Glamour pétasse gang. Ah, pourquoi tu n'as pas créé ça? Et puis maintenant, tu as venu dire que toi tu es président des Chinois. Et les Chinois ne sont pas les pétasses. Hein. Les Chinois ne sont pas les pétasses, c'est lapin. Les Chinois, c'est lapin. Les Chinois, c'est lapin. Les Chinois, ce sont les battants. Toi, tu as déjà vu Chinoise qui est pétasse. Cette vieille qui vient s'afficher aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle a une cigarette dans sa gueule là. Elle, c'est pas une Chinoise. Elle, c'est une vieille. Elle est rentrée dans le truc comme ça. Elle est venue, elle a trouvé, elle est rentrée. Quand il est Chinois, c'est nous là. C'est nous. Depuis, elle est petite. Didier Arafat, partagez le mercure. Depuis, elle est petite. Didier Arafat. Et regardez ça maintenant. Je sais que beaucoup ont vu la vidéo. Voilà. Il s'est concentré sur la musique. Quand tu viens gueuler sur les réseaux sociaux, mon fils. Tu viens gueuler sur les réseaux sociaux, mon fils. De son vivant là, tu as fait quoi? De son vivant là, tu as fait quoi pour lui? De son vivant, tu as fait quoi pour lui? Si c'est pas de le boycotter, de son vivant, tu as fait quoi? Il est obligé de dormir sur les tables de marché. Tu viens crier mon fils. Quand on vous montre la vérité, on vous montre ce qui est là, donc vous venez nous insulter. Vous ne connaissez pas l'histoire de DJ Arafat. Aujourd'hui, je vous montre, je vous casse ses papos. Vous voyez, non? Est-ce que vous entendez? Non, il n'y a pas laisse. C'est la partie même qui touche. C'est la partie qui fait pleurer. C'est la partie qui fait pitié même. Comment? Ah, écoutez. Tu avais quel âge? Vous avez entendu?
Je, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que je ne veux pas pleurer. Au fait, je suis venu faire une vidéo pour dire à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Didier Arafat de se renseigner avant de venir piailler sur les réseaux sociaux. Si nous, on a décidé, c'est vrai ce qu'elle a fait là, on a mal fait, nous, mais on reconnaît. Et puis, on ne voulait pas arriver jusqu'à là. On ne voulait pas arriver jusqu'à là où on allait prendre notre téléphone pour faire vidéo pour insulter Tina Glamour, bien maman Tina. On ne voulait pas arriver jusqu'à là. Mais on l'a prévenu. Donc, si vous ne connaissez pas le passé de Didier Arafat, là, venez, je vais vous casser les papous. Quelqu'un qui avait 12 ans et puis Mourousseff Tiandjou, ses parents étaient où? Ses parents l'ont jeté comme un chien juste parce qu'il a décidé de jouer la musique, juste parce qu'il a décidé de devenir artiste comme eux. Quelqu'un qui avait 12 ans, imaginez-vous, votre enfant a 12 ans et puis Mougoule Tiandjou, il est exposé à la maladie qu'on appelle le sida. Toutes les maladies reliant le sexe, il est exposé à ça. Ça, Mougoussette Tiandjou, hein, il n'a pas dit que les trucs qui sont derrière, les papous qui sont derrière là. Il a juste dit ce qu'il faisait. Mais n'a pas trop développé parce qu'il était sur une grande scène. Mais on ne sait pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il se décalait. Quelqu'un qui avait 12 ans et puis Mougoussette Tiandjou. 12 ans. Prenez-nous au sérieux. Hein. Prenez-nous au sérieux. Voilà. Nous, on n'est pas ici pour dit que ce, quoi que ce soit à Tina Glamour ou à maman Tina, tout ce que nous on a demandé là, on dit qu'elle arrête de s'exposer négativement sur les réseaux sociaux. Elle dit elle a un cabaret, elle dit elle a un maquis, elle peut faire la promotion de son maquis, elle peut faire la promotion de son cabaret, elle peut faire tout. Mais faudrait pas qu'elle vienne insulter les personnes, les innocents sur les réseaux sociaux. Les personnes qui ne parlent même pas, les personnes qui ne manquent même pas de respect, il ne faudrait pas qu'elles viennent faire ça. Qu'elles se calment. Qu'elles se calment. Qu'elles laissent la Chine s'organiser entre les Chinois. Elle là. Au début, on ne l'a pas vue. Donc, ce n'est pas à la fin, on va la voir. C'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au début, quand ça a commencé, elle dit Didier Arafat. Quand Didier Arafat pleurait ici, il pleurait. Partagez, partagez, partagez. La Chine, je vous lance un défi. En moins de 24 heures, mais ce clip Pandou Koulé doit avoir 2 millions de vues. C'est nous les fanatiques, c'est nous. On prend clip là comme ça, et puis on partage, on dort pas, on partage jusqu'à matin. Quand un clip comme ça, c'est les 3 millions, les 4 millions. Quand les Nigériens sont venus, les gars, les Nigériens voulaient faire leur bêtise pour prendre l'Afrique. Les trucs de Azonto, je ne sais pas quoi là. C'est Didier Arafat. C'est Didier Arafat qui a fait relever encore coupé décalé. Et c'est pas lui seul, à cause c'est fanatique. Quand il fait sortir un son comme ça, on s'assoit à lui. Et puis on partage. Nien est Tina Glamour, tu étais où? Nien est fanatique de Tina Glamour, vous étiez où? C'est maudit. Il remet ma cagoule. Voilà. Je suis le sniper. Je suis le boy de la Yorgan. Je suis le Nivakin. Ouais. C'est l'homme qui parle. Parole qui donne pas lui. Ouais. Donc c'était ma petite vidéo pour essayer de dire à ces fanatiques de Tina Glamour. Calmez-vous. Calmez-vous. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Si vous regardez sur ma page, il y a peut-être 3 lives que j'ai fait. Mais c'est en train de vous traumatiser. Je viens d'arriver. Il y avait une chaîne qui faisait au moins 50 000 abonnés. J'ai perdu la chaîne. Mais je remets encore une chaîne. En moins de 2 semaines, je vais dans 6 000 abonnés. C'est-à-dire ce que je dis là. Ce que je prononce là, c'est pas du vanoupier, c'est pas des prononciations buton, c'est la vérité que je dis. C'est la vérité que je dis. Mais comme vous les Africains, vous aimez pas entendre la vérité, vous aimez toujours voir tout ce qui est médiocre sur la vérité. Quand on dit la vérité, on le prend comme ça. Même parmi les politiciens, excusez-moi les politiciens, mais je vais un peu vous attaquer. Même parmi les politiciens, celui qui décide de nous enlever dans les affaires de France-Afrique, là. On le prend, on le tue. On le prend, on le tue.
Voilà, on veut bouffer pour nous seuls. Donc là, moi, là, c'est pas affaire de tuerment. Pour nous, là, c'est musique, c'est pas politique, mais c'est à peu près la même chose. C'est le comportement des Africains, en fait. C'est comme ça l'Africain est. Quand on voit qu'une personne est bien placée pour dire la vérité, on le boycotte. On le boycotte. Didier Arafat était le pilier de la Côte d'Ivoire. Il était le pilier de l'Afrique. Il était le pilier du coupé décalé. Aujourd'hui, la coupé décalé est où? Si ce n'est pas les rappeurs qui sont des framponnés la toile. Quelqu'un qui vient, il chante Nyomi elle est bon. Nyomi elle est bon. Ça prend Géou. Tout ça, c'est parce que Didier Arafat n'est pas là. Tout ça, c'est parce que Didier Arafat n'est pas là. Jusqu'à animateur. Il fait Nyomi elle est bon. Ça prend Géou. Ça prend Géou. Tout ça, c'est parce que Didier Arafat n'est pas là. On parlait de ça. Les vieilles pétasses vilaines, elles sont vilaines dans leur vilain cata. Les vieilles qui ont été maintenant diplômées dans la prostitution, elles vont venir maintenant s'adresser à nous les Chinois. À nous les Chinois, elles vont se faire passer pour les Chinois. Chinois ne prend pas cigarette pour faire direct. Chinois ne prend pas cigarette parce que Didier Arafat, même de son vivant là, il a interdit ça. Il a dit la Chine ne fait pas comme moi. Mais si toi tu prends cigarette pour faire direct là, c'est que toi tu es pété dans ta tête. La vieille pétasse du maquis Shanghai. La vieille pétasse de la rue Princesse. Voyez ma vidéo, il est fait. Voici la vidéo. Hein? Les gens ont partagé. Il y a vu qu'ils ont partagé. Hein? Tu vas voir la vidéo. Moi, j'attends maintenant ta plainte là. J'attends. Je suis le bourreur. Abou ne me connaît. Je suis le bourreur. Moi, j'attends maintenant ta plainte. C'est là, il y a une voix que ouais, qui est fanatique. Il y a tant ta plainte. Tu vas comprendre. Si elle n'est pas voyagé ton âme, non. Si elle n'est pas bu ton sang, non. Tu vas comprendre. Adieu-moi cette vieille pétasse là. Toi aussi, tu as prononcé le nom de Momo. Regarde différence de vues. Regarde différence d'abonnés. C'est-à-dire, ce que vous dites là même là, c'est même pas important. Les gens ne font même pas s'abonner sur vos chaînes. C'est pas important. Mais si d'abord tu fais une vidéo, puis tu prends cigarette pour montrer à les personnes qui prennent le temps de te regarder, tu prends cigarette et puis tu fais une vidéo, ils vont dire que tu te fous d'eux. Ils vont pas s'abonner sur ta page. Ils vont aller faire quoi sur ta page? Toi aussi, tu as venu donner conseil aux gens. Pourquoi on a insulté Tida Gam, Keko, non, maman. Ton mot dia. Voilà Chine, ouais. Les éléments là qui les gang. Excusez-moi, on va me dire à Coco qui les gang. Les éléments de la Boboli Family. Vous-même vous connaissez, c'est vos éléments. C'est votre élément. Voilà. Les éléments de la Boboli Family. Vous-même vous connaissez. C'est votre serviteur. Le beau. Partagez la vidéo. Et envoyer ça partout dans les partout. Ma voix même est partie. Voilà, c'était une petite vidéo pour moi les pondis à l'heure. Voilà, c'était une petite vidéo pour leur montrer que le Nivakin est là. Big up à Momo de la Boboli Family encore. Et big up à tous les éléments de la Boboli Family. Brabou, à Petouet.